What's up la gang? Bon ce matin, j'espère que ça va bien. Là, il est à peu près 9h. J'ai une rencontre ce matin avec mon projet de fin d'étude qui se termine vraiment à grands pas. Là, d'ailleurs, il faudrait peut-être que je rejoigne la réunion parce que c'était à 9h. Puis, c'est ça, il me reste comme... En fait, demain, c'est mon oral final, puis après, si on a fini, j'ai tellement, tellement hâte. Il reste quelques documents à remettre, mais comme l'oral final, la présentation finale devant un jury, tout, c'est demain. Alors, j'espère hâte que ça soit fini, puis que ça soit comme derrière moi, ce projet-là. Fait que là, moi, je rejoins la réunion, puis on se reparlera un petit peu, on se reparlera plus tantôt. Salut Kev! Bonjour Kevin! T'es-tu essoufflé? Allô? Non, je sais pas, ça a comme bugué, là. Non, mais je pensais que ça marchait pas, je me disais, bon, là, encore un problème de réseau, mais c'est correct, finalement. Je viens de finir mon cours de mon appel. Fait que là, tantôt je m'en vais, je vois Meg tantôt parce que les deux on n'a pas d'école. Moi j'ai comme pas d'école. Faut comme que je fasse mon oral, mais je vais tout pratiquer là. Tantôt, fait que je suis hors le 17 pour demain. Fait que c'est ça là, je vais prendre ça assez relax là. C'est vraiment la fin du projet. Je suis vraiment content. L'aboutissement de beaucoup de travail. Moi, je suis content que ça soit done. Puis fait que là, moi je vais voir Meg tantôt. Puis en attendant, je vais peut-être juste chiller ici, je vais pas faire grand-chose honnêtement. Et on va peut-être se voir plus, on va se voir plus en après-midi, peut-être vers 1h30, 2h, on verra. Fait que là, je pars au dépanneur parce que je vais me faire un déjeuner. Je suis en train de faire que des petites patates, puis on a plus d'œufs. C'est vraiment rare qu'on a plus d'œufs, je pense qu'il y en a plus. Puis là, j'ai genre ces choses-là que j'ai achetées au Zara, que j'avais pris un de mes derniers hauls, ça fait genre quelques semaines. Mais je les aime tellement, mais c'est checké comment ils sont sales. J'ai déjà mis deux fois, puis on fait le sale, en tout cas. Il se sale, il se salisse vraiment rapidement. Fait que là, je suis pas tant sûr de mon outfit là, parce que j'ai comme mes jeans coupés un peu courts que j'avais, genre dans un précédent vlog aussi. En tout cas, non, en tout cas, c'est pas super. Fait qu'en tout cas, là, je vais partir. Mes clés, ça irait peut-être mieux. Honnêtement, moi, j'ai aucune idée, ça coûte comment, un paquet d'œufs. Je me rends compte que je suis, ben, pas je me rends compte, mais je suis vraiment mineur là-dedans. Genre, j'ai aucune idée, ça coûte combien là. Il fait tellement beau, oh my god. Je vous laisse là, je reviens. Je vais mettre un masque réutilisable aujourd'hui, puis là j'ai du lipsil, ça va m'écœurer. Bon, un gros total de 4,10$. Je sais pas si il y a des taxes sur les œufs là, tu sais. Je sais que c'est comme. Des fois, quand c'est comme des aliments de base, il y en a pas. Fait que, comme je le dis, je suis vraiment mineur là-dedans. Là. C'est vraiment pas cher des œufs pareil, hein, quand tu y penses. C'est 4,10$, pas tant cher pour une douzaine d'œufs là. Pis c'est ça que je parlais l'autre jour avec je sais plus trop qui là, mais genre je trouve que les œufs c'est genre le seul aliment que, ben pas le seul, mais un des seuls aliments où est-ce qu'on conserve vraiment juste mettons pour le déjeuner, ok? Nous des fois on mange des omelettes ici le soir et tout, mais tu sais vraiment pas souvent là, genre pour moi les œufs c'est en plus un aliment de déjeuner, mais comme c'est vraiment rare je trouve que un aliment comme ça de base, qui mettons on l'a saisi tout de suite au déjeuner, fait qu'en tout cas, je trouve ça quand même drôle, ben drôle, pas drôle, mais vous comprenez ce que je veux dire. Fait que là, j'ai des œufs, une petite douzaine d'œufs. Bon, là, c'est malaise, là, j'ai dit à quelqu'un que je sais même pas c'est qui, là. Hey, salut Théo! Salut, salut! J'ai acheté des œufs. Chica! Sur une toute autre note, là, moi je vais aller me changer, je vais faire quoi avec Meg, puis finalement, elle va être là aussi, la soeur à Meg. Puis je vais mettre un petit outfit printanier parce que je vais vouloir faire un shooting photo, because I have an Insta babe. Fait que je vais vous montrer l'outfit que je vais mettre. Je vais prendre ce petit t-shirt là que j'avais acheté l'année passée. Ce t-shirt là me rappelle la quarantaine du mois de mars parce que je l'avais acheté en avril en tout cas. Je vais mettre mes jeans noirs, comme ça. J'ai mes jeans noirs plus baggy que j'ai oublié chez Mathilde l'autre jour. Fait qu'on peut aller le chercher tantôt, puis j'avais ma sur-chemise chez Zara comme ça. Alors, un very spring look today because it's like fucking hot outside. Puis, genre là, aujourd'hui annonce beau, demain annonce beau, mais dans les prochains jours, il y a comme 6 jours de suite qui annonce de la fucking neige. What the fuck. Voici le petit OOTD. Fait que, comme je vous ai dit, c'est ça que je porte. Là, je trouve que mes pantalons sont vraiment skinny. Là, c'est putain mon vibe, là, un peu, le skinny de même, là. Parce que je trouve déjà que j'ai des petites cannes, là. Avec ça, j'ai l'air d'avoir des vraiment petites cannes, là, quand vidéo c'est encore pire là, mais en tout cas j'aime bien ça. La chemise je la trouve peut-être un peu longue, je pense que c'est une small. Moi je pense que c'est small dans la vie, mais je pense que ça le fait quand même là, j'aime bien ça le look, je trouve que ça fait plus fashion un petit peu. Ben pas ce que j'ai l'habitude de porter, mais je trouve que c'est un beau style. Fait qu'on va passer en pas long, ils vont venir me chercher, puis là je sais pas encore quelle chose que je vais mettre. C'est ça que je vais mettre les petits souliers noirs que je vous ai présentés tantôt.
Ou il y avait une autre part de chez Zara aussi. Là. Zara, c'est vraiment une entreprise que moi j'aime beaucoup. Là. Je trouve qu'ils font vraiment des beaux, des belles pièces. Là. Pas tant cher. Des fois, c'est un peu cher, mais. En tout cas. Oh my god, j'ai juste de me donner un coup. Sinon, il y a celui-là, beige, que j'aime bien. Ça, je les avais portés pas vraiment souvent. Je les avais portés à mon speed fight là, au Stanley cette année. Puis, ça va vous dire que j'étais arraché. J'étais fucking drunk. Puis, ben, je suis même allé vomir là, en tout cas là. Story time. Moi, et ma seule, celle qu'on disait. Puis, j'avais trop bu, il fallait qu'on arrête. J'allais vomir, puis ils sont un peu sales parce que j'étais comme dans, sur le bord de la route, un peu dans la boîte et tout. Vraiment, vraiment le fun Kev. Fait qu'en tout cas, on va décider quelle paire de choses que je vais mettre. So, this is the Lux. Je sais pas trop ce que j'aime le plus. Honnêtement, là, je le sais comme pas. J'aime bien les petits noirs. J'aime bien ça. Mais les beiges aussi, ça fait printanier. Donc là, on est chez Kevin. Puis là, on attend Kevin parce qu'il va aller porter le lunch à Pascal. Son père, qui a pas encore dîné, puis il est 1h52. Fait que s'il veut pas qu'il meure de faim, ben faut y aller à l'instant. Fait que c'est pas mal ça. Après ça, on sait pas trop qu'est-ce qu'on va faire. En fait, on sait pas qu'est-ce que Kevin nous a dit à date. Fait que c'est pas mal ça. Puis là, Kevin, il est là. Il arrive. Salut! Donc là, je suis présentement avec Megan. On va enlever ça, là. Je peux pas. Là. Avec Megan et Kelly. Bon, viens. C'est quoi, là, le bruit, là? C'est ok, la fouette. Ah oh, non, un 4 fouette. Ok, mais j'ai... Fait que là, on s'en va. On va où? Au Tigre. Au Tigre? Au Tigre? Au Tigre? Ok! Au Tigre géant pour échanger un. Ça. Un four à panini. Ouais. Lol. Avec un panier. Lol. Oh my god! Igua avance. Je devrais venir magasiner les trucs d'appartier. Je viens jamais. Fait que là, on vient d'aller porter l'imprimante au Ariel. Au Ariel. C'est eux les Ariel. Parce qu'elle est brisée. En tout cas, là, chez la matante. Là, en tout cas. Fait que là, on s'en va au Starbucks. Parce que moi, je vais avoir un shooting avec un pink drink. Voilà. Tu vas prendre ça? Ben ouais, j'aime ça. Mais je m'enlève pas trop de lait de coco. L'autre jour, j'ai demandé. Ça goûtait le lait à fraise. Ouais, ça goûtait le Nesquik à fraise. Nesquik. Il y avait bien trop de lait, c'était trop pâle. Fait que là, moi, j'en ai demandé un. Ouais, je pourrais te dire allô, pas trop de lait de coco. Bah oui. Allô, je. Ok, ouais, je te dis ça. Allô, pas trop de lait. Allô, pas trop de lait de coco, parce que sinon, ça goûte la merde. Puis c'est moins beau. Fait qu'en tout cas. Nous sommes quand même au Starbucks. Vous voulez vraiment rentrer? Ben moi j'ai vraiment envie. Je peux pas me retenir. Je vais m'acheter une petite bouteille de Whitebeach. Ah, c'est quoi t'as dit, Kel? C'est quoi t'as dit? Je m'achète une bouteille Starbucks. De Whitebeach, qu'elle a dit. C'était ça l'important. C'est foulard. Ah, hey, c'est l'été, man. Summertime. Tadam, vous avez probablement jamais vu ça de votre vie, mais c'est ça. Je trouve que mon vlog est vraiment poche, là. Fait que j'ai besoin de créer du content for the vlog. Ok, go, on y va. On est parti, la gang. Oh my god, mes lèvres sont dans mes sticks. Quoi? Ouais, ouais, il faut ouvrir les fenêtres. Il y a une gang ici, elle a un short comme moi qu'il faut une manivelle parce qu'on est trop riche. On n'est pas des pauvres petites. Hey, si on peut pas rentrer, je me tire une balle, là, moi, là. Ok, go. Mais si jamais vous avez pas compris, hein? Au IW. Ben, on peut même pas pisser au Starbucks, même. Oui. J'en étais trop. Et puis il a fallu partir. Ouais, ça a filmé encore. Hey, là, si on peut pas pisser, là. On a juste à dire, excuse-moi, est-ce qu'on peut aller aux toilettes, là? On sort? Bon, on va pisser si on veut. Hein. Moi, je fais papa. Maman. Ok, il y a personne. Fait qu'on y a une blague, ce que j'en mange pas en vie. Oh my god! Check, check. Je pense qu'il n'y a pas d'eau, ok? Ah! Oh, faut se laver les mains, regardez! En tout cas, je comprends rien, là, on va mettre. Oh fuck! Moi, je pensais que c'était du purel. C'est quoi, hein? C'est du purel? Savon, ouais, il n'y a pas d'eau! Ah! Oh, ok, il y a là l'eau! Oh my god, regardez ça!
Puis là, c'est ça de même. On retourne dans Starbucks, là, parce que Gaël a sorti une bouteille, là. En tout cas. Mais on pourrait-tu rentrer les petits croix? Hey, salut, ça va? Ouais. Bon, malaise, on peut-tu y aller ou. Ben, il y en a juste deux clients. Ça fait 5 clients? Bingo. Bingo. C'est 5 qu'on a droit. Merci. C'est beau, hein? Et on a mis gros du lait encore. Bon, les sacoches. Hey, je suis pas capable. Regardez. Regardez. Ben oui, 8 piastres. Ben oui, mais c'est gros, là. Non, mais c'est cher. Ça t'a coûté comment, ça? 6 $, ouais. Ben, c'est ça. Moi, j'ai le double de toi. Comment ça baisse? Qui est gros, on rentre dans le champ, calice. Hey, oublie pas ton baguette, hein. Ah, t'as un baguette. On revient du Starbucks. Puis, on voit pas nos faces. Ouais, dans même on voit. Ça, c'est dans les jambes. Fait que là, moi, j'ai pris un pink drink. Un moyen. On a quand même un micro, hein? Tu fais de coco. T'avais dit pop trop. J'avais oublié de dire pop trop, en tout cas. Ah, ben là. Vous, vous avez pris quoi? Check le mec, comment il est beau. It's purple. C'est quoi, hein? C'est bizarre, hein? Il y a comme deux étages, là. C'est le truc du fruit, ben c'est la crème fouettée. Ah, c'est fruit du. Ah, ok, c'est de la crème fouettée. Ouais. C'est genre le fruit du dragon, là. Blend. Mangue et fruit du dragon. Toi, quel? Moi, c'est un mocha qui glacé, extra caramel, genre. Elle a juste pris parce qu'elle est trop beau. Ouais. Monte dedans. Y est-tu bon? Ouais, quand même. Ah, moi j'ai même pas de poil. Pourquoi moi j'ai un verre de même? Ben c'est un petit. Ben c'est un moyen. Toi, tout un moyen, Megan? Veux-tu me côté? Ah, c'est chien. On va choisir un filtre. Prends une photo de nous. On prend un selfie, là? Oh my god, ça va être du bon. Ah, ok. Non, laisse. Go, j'ai chaud en faire. Ok, on part l'air climatisé parce que moi je crève ma vie. J'ai pas d'air climatique. Faux salaire, y'a pas d'air climatisé dans le genre à mec. On est back à la maison. En fait, juste back à la maison. Fait que. On était au Starbucks avec Meg Piquel. C'est quand même cool. C'était assez relax comme journée. Mais c'est ça, fait que là, je suis de retour. Puis. Ben, c'est ça, là, on va manger des tacos ce soir. Je suis vraiment content. J'adore ça, les tacos. Puis je sais pas trop. Vous, est-ce que quand vous faites des tacos, vous mangez genre. Avec. Mettons le. Pas la pâte, mais comme. Genre. Ouais, là. Ben, pas la pâte, mais comme le pain. Non, pas le pain, mais comme les chips. En tout cas, vous comprenez, là, genre, en chip, comme plus en tortillas, nous, c'est tout le temps en chip. Je trouve ça meilleur. Je pense que, originalement, c'est comme plus comme des tortillas, mettons, là. Mais c'est ça. Fait qu'en tout cas. Bon, moi, je vais faire mon Insta, je vais me faire prendre la photo. Hey, Sam! Manger des tacos, je sais, oui. Ouais. Non, est-ce que tu voudrais me prendre la photo, s'il te plaît? Là, je suis curieux, j'ai faim, non. Vlog! Non! S'il te plaît, ce sera pas long. Non, j'ai faim, là! Étienne, s'il te plaît! Non! S'il te plaît! Hey, on a attendu après toi pour souper, là! Je n'ai pas encore souper! Ben non, on t'attendait, fait que la moindre des choses, ça serait que tu viennes me prendre en photo. Je te prends 3 photos maximum. Ouais, ça sera pas long. Mais je veux avoir le Golden Hour. Ben oui, c'est là le Golden Hour, viens-t'en! Oh! Oh! On l'a! Ah, viens-t'en, là! Un peu plus proche. Mais si jamais tu cliques tout le temps là, ça marche pas. Ok, mon don, j'ai juste regardé. Non, mais c'est là. Ok, ça le fait, sauf qu'on voit les maisons en arrière. En tout cas, bon. Parfait, un petit peu de contenu photogramme, ça fera pas de tort. Viens tenter, on mange. Hein? Oh, bien, c'est que je voulais pas une grosse crise de boîte à lunch. Attention, attention, ta boîte à lunch, puis ma caméra est là. Allô? On t'approche, mais c'est qui? Il est dans le haut du. Ton chapeau du Mexique. Pourquoi tu fais ton chapeau du Mexique? Les deux, là, c'est comme des. Ah, c'est vraiment pas chargé. Mais... Wow. J'ai vraiment aucune idée à quel point vous allez m'entendre à cause de la laveuse ou sécheuse. Je sais pas, qui fait vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de bruit. Mais c'est pas grave. En tout cas, au pire, je couperai ça au montage. Mais je vais vous parler en fait d'un autre traitement pour l'acné que j'ai commencé. On dirait qu'en vidéo ça paraît pas tant mon acné. Ça va de mieux en mieux, je vous dirais, mais j'ai commencé ça en fait hier. Donc aujourd'hui c'est le deuxième jour. Et puis c'est prescrit par ma médecin, ça. Fait qu'en tout cas, mais c'est le Biacna, comme c'est ici. Il y a une de mes amies qui avait déjà utilisé ça, puis ça l'avait vraiment beaucoup aidé. Donc elle m'a dit de l'essayer pendant à peu près 3 mois. Puis si dans 3 mois ça ne fonctionnait pas, on allait y aller avec des antibiotiques de façon orale, donc des médicaments. Puis après ça serait Accutane, mais
Tu sais, je me rendrai pas à Q-Tam parce que ma peau est pas si pire que ça pour me rendre à Q-Tam. Mais j'ai bien espoir sur ce petit traitement là. C'est comme en formule gel là. C'est comme pas en crème, mais c'est vraiment comme en gel. Fait que je vais essayer de vous le montrer, tu sais. C'est comme ça. Fait qu'on va pas se faire bien comme ça. Fait que j'en applique partout dans mon visage parce que j'ai de l'acné pas mal partout. Ouais. Je suis content que ça soit une formule gel parce que j'aurais vraiment pas aimé ça que ça soit une formule trop riche, comme trop comme hydratante pis comme trop crémeuse, mais ça, ça le fait vraiment bien. Fait que je vais évidemment tout vous tenir au courant. Je l'ai utilisé juste hier, fait que c'est sûr que je n'ai pas encore de résultats. Mais c'est quand même assez agréable, tu sais, comme je l'ai dit, c'est comme pas trop crémeux. Puis surtout pour l'arrivée de l'été, ça me tente pas pantoute, ça soit de quoi de comme trop riche là. Alors je vais vous réupdater au courant des vlogs, of course. Fait que voilà. Ok gang, je vous ai comme pas vlogué depuis la dernière fois que. Depuis le dernier clip. Mais je vais venir conclure le vlog pour ce soir. Là, moi, je suis en train d'écouter un vlog de Laura Glamour. Puis en tout cas, c'est ça. Je vais venir conclure le vlog. Comme je vous ai dit, je vais vous vlogger demain vu que c'est comme ma présentation finale de mon projet de fin d'études. Puis ça me tente de le garder comme en souvenir. Fait qu'en tout cas, je vais vous vlogger demain. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo jusqu'ici. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne si jamais c'est pas déjà fait, of course. Et de noter aussi sur mon compte Instagram. Le lien est toujours in the link below. Am I an Englishman? I think so. Alors voilà, merci beaucoup. Puis on se retrouve very soon. Bye bye tout le monde. We can be friends if you wanna. We can just talk if you wanna. We can hold hands if you wanna. Hey, tell me what you wanna.